Donc Ahlan et Sahlan, c'est le quatrième mouvement du projet Liban qu'on a commencé en 2006. Vous avez tout ça un petit peu dans le programme. Au départ, vous avez travaillé sur Beyrouth, les événements qui ont eu lieu entre 2005 et 2010, les événements politiques, l'assassinat de la mairie, la guerre, les conditions, etc. Et puis, donc, on a commencé le travail au mois de février, et qu'on était en pleine révolution arabe, on s'est dit qu'on n'arriverait pas à traiter autre chose que ces révolutions arabes. Donc, on a complètement changé. Et on a commencé donc, à travailler sur ces. Donc, juste au moment des révolutions, de la révolution égyptienne, on a fait les premières éditions de ce projet à Bruxelles, à la Bellone, pour faire une première partie qu'on a appelée l'image, et qui s'est jouée déjà mi-février. La première qui progresse. Donc, comme le disait Gaspard, depuis un mois et demi, on est ici entre la chartreuse, le centre graphique et bien sûr à l'habitation de Kawenga pour travailler sur une deuxième partie qu'on a appelée le récit. Pourquoi ça va qu'il progresse? Parce qu'il y a encore, au niveau dramaturgique, il y a des choses à développer pour nous. Et surtout, il y aura une troisième partie à la suite qui sera un travail contemporain sur l'actualité. Il s'agit de bonjour. Ahlan Sahlan, bienvenue. Je voudrais commencer cette matinée à la fois par fierté nationale et par tradition, par l'hymne national libanais. Pour qui